Donc, comme vous avez dit, dans le cas de la campagne de Santerre, on ne fixe pas vraiment un objectif, on ne dévoile pas du moins l'objectif financier. Oui, tout à fait, on ne dévoile pas l'objectif. Le message qu'on porte, c'est toujours d'en faire plus que l'année d'avant. Parce qu'on sait que les besoins sont vraiment très, très grandissants. L'année dernière, on a eu pour 1,6 million de demandes. Et cette année, on en aura sans doute plus. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à assurer le maximum qu'on pourra faire cette année. C'est pour ça qu'on ne donne pas forcément d'objectif. Mais je vous rassure, on travaille fort pour en faire plus que l'année dernière. 1,6 million de demandes l'an passé. Vous avez recueilli combien? L'année dernière, on a recueilli 1,272 à peu près. On a encore des dons qui rentrent. On a fini la campagne à peu près à 1,3 million l'année dernière. Et on a 1,6 million de demandes. Et ça ne représente que les 60 organismes, les 50 qu'on soutient et les une dizaine supplémentaires qui nous ont fait de demandes. On a beaucoup plus que ça sur le territoire. Donc, on imagine que les besoins sont beaucoup plus qu'un million. Vous avez dit tout à l'heure, en prenant la parole, c'est pas seulement un appel aux dons, c'est un appel à l'action. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais c'est qu'on a tous une petite responsabilité. Pour comprendre les réalités que vivent nos organismes communautaires. On peut sensibiliser plusieurs personnes autour de nous sur les enjeux sociaux que vivent les personnes les plus vulnérables. Ça, c'est de l'appel à l'action. C'est ça qui va permettre aux gens de donner. Moi, je dis souvent qu'on ne peut pas aller voir quelqu'un lui demander de donner de faire un don si la personne n'est pas convaincue, si n'est pas sensibilisée. Ça, c'est une action que tout le monde a la possibilité de faire du moment où on est sensibilisé à la cause et à l'importance d'inclure l'ensemble de la population dans notre mandat. Avec 1,6 million de demandes l'an dernier, je me souviens, à une certaine époque, on amassait 1 million chez Centraide, puis c'était une grande réussite. Ça veut dire, est-ce que vous réussissez quand même à combler tous les besoins, à répondre à toutes les demandes? Non, on n'arrive pas à combler toutes les demandes. Parfois, on prend des décisions crève-cœur lorsqu'on arrive à la période de prioriser quel organisme on va soutenir cette année au détriment d'un autre, parce que malheureusement, on va faire des choix. Les bénévoles qui vont faire l'analyse vont vraiment faire des choix qui ne sont pas simples pour eux non plus. Donc, non, on est très, très loin de pouvoir combler tous les besoins du territoire. Parce que pour trancher entre deux organismes qui ont chacun leur réalité, qui ont des besoins, j'imagine que les décisions sont plus que crève-cœur. Ça doit être très, très difficile de mettre une ligne à ce qu'un organisme a besoin ou pas. Tout à fait. Il y a le comité d'analyse et de relations avec les organismes. Il y a un comité formé de citoyens du Bas-Saint-Laurent, du Kamouraska jusque dans la Matanouya, qui font un travail tout l'hiver pour faire l'analyse des demandes. Quand on arrive à la dernière étape de prioriser l'ensemble des demandes, c'est là où on y vient un peu le cœur serré. Moi, je dis souvent aux bénévoles, dès le début de l'automne, que cette rencontre-là, je ne l'apprécie pas. Parce qu'elle est vraiment très difficile. À la fin, on se rend compte qu'on laisse des organismes derrière ou qu'on va les financer à la hauteur d'un montant qui ne sera pas représentatif de ce qu'ils veulent faire. Donc, ce n'est pas on se donne des critères, des balises qui nous permettent de pouvoir le faire de façon très rigoureuse. Mais n'empêche que ça reste vraiment très, très difficile ces moments.